Ouah, ça fait super longtemps, hein. Bon, allez. Par contre, faut juste que je modifie ça. Mais oui, oula. Hop, ah mince, c'est vrai que je mettais. Putain, j'ai oublié parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas streamé du. Non. Donc du coup, il faut que je retrouve le screen que je mettais derrière. C'était lequel déjà? Ah oui, il était pas ici, il était là-dedans. Il était là-dedans, voilà, il est là. Oula, calme-toi. Voilà. Et il faut le jeu qui était. Ah merde, il est où? Ah, je crois qu'il est dedans. Et c'est ça. Dosbox, non, j'en souviens plus ce qu'il faut lancer à chaque fois, je me trompe, je crois que c'est ça. Ouf. Alt entrée. Voilà. Ça, je quitte. Oula, vous avez un gros bug d'affichage, c'est génial. Non, voilà. On s'en fout, on s'en fout. Alors, pour que je mette les vidéo scaler, je m'en souviens plus, c'était quoi? Hardware, ou, oh, je sais plus. Output, je sais plus non plus. On verra ça. C'est surtout la taille de la fenêtre qu'il faut que j'augmente. Alors, c'était du, je m'en souviens plus non plus. Je m'en souviens plus de rien. C'est génial. Faire tout tester. Un peu trop grand ça. C'est un peu trop grand comme résolution. Plus petit. Ça, voilà. Parfait. Oh nom de Dieu. J'ai du pâté dans la gorge. Du pâté. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bah écoutez, juste 2 secondes. Oh putain la vache, je vais crever. Et c'est quoi ça? Ça marche alors ou pas? Oui! Ça marche, oh, c'est fort. Très fort. Supportable. C'est très très fort. Par contre, je n'ai pas même pas le chat dans les sous les yeux, c'est génial. Oh! Le chat, il est là. Voilà. Non. Voilà. Là. Ici. Et je regarde au moins si je drop pas de frame. C'est bon. Oui, donc je reviens. Je vais me rouler une cigarette. Et comme ça laissera un peu du temps aux gens à venir. Et je vais ouvrir à côté tout ça. Enfin, vous me verrez, non, vous me verrez pas passer parce que je vais. Parce que je vais vous baiser. Prends-en ça, voilà, hop là. Donc je reviens d'ici peu. D'ici 5 minutes, même pas.
Ah, me revoilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est la caméra. Oui. Alors, est-ce que j'ai besoin d'allumer la lumière? Aïe. Ah! Est-ce que j'ai besoin d'allumer la lumière? Oula. Foutu un coup. Oula, oui, il faut la lumière parce que sinon. Attendez, je vais pas allumer celle-là. Ah. Voilà, l'éclairage est mieux. Mais putain, elle est décalée ma caméra. Mais oui, je l'ai bougée. Oh. 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 Oh là non. Mais. Oui, voilà. Ah, Remouktouk. Alors, Remouktouk, tiens, tu vas pouvoir m'aider pour faire essayer un truc. Est-ce que tu peux me défollow, donc ne plus me suivre? Et cliquer après sur le bouton de me suivre. Après, tu recliques dessus pour me suivre. Juste pour voir si l'alerte follower marche ou pas. Ah oui, par contre, c'est vrai. Parce que j'ai regardé, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. En fait, le problème. Merde. Le problème, c'est que. On était bloqué. Donc il faut une astuce. Alors, jeuxvideo.com. Gabriel Knight. Gabriel Knight, the best within, the beast within. Astuce et wiki.
Alors, nous sommes au chapitre 3, si je dis pas de bêtises. Regardez où dehors, sortez, à la place, Vergro, la Trouve Grâce, lisez-la, ainsi que le livre sur la Lycomantie. Puis parlez avec Harry Hubert Gros, sortez, allez chercher le vendeur, chez le vendeur de coucou, ça je l'ai fait. Oui, allez dans la rue à droite et avancez jusqu'au lieu du crime, essayez de parler au commissaire Liber. Le gros en costume en noir, mais il est trop occupé. Prenez le rapport d'analyse dans l'inventaire. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Ok. Ça, par contre, faut que je le. Je sais pas comment unfollow le bouton est grisé. Eh ben, tu appuies dessus. En fait, tu appuies dessus et ça va unfollow automatiquement normalement. Normalement, ça va unfollow. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, charger. Charger. J'avais mis bloqué. Donc, alors, sur nous, normalement, nous devons avoir. Voilà ça. Le rapport, ou je ne sais quoi. Carnet de notes, rapport d'analyse. Voilà, donc ça, faut aller voir. Ok. Allons-y. Voilà! C'est dégueulasse la qualité. Attendez. La qualité est complètement dégueulasse. J'ai oublié de le changer ce truc-là. Apparemment, ça ne follow pas. Je vais voir sur mon dashboard. Ah bon? Ah merde. Putain, et puis cette caméra qui me casse les couilles. Et putain, mais. Je la bouge, mais ça fait rien des fois. Ah. Faut que je mette en vidéo output. Output. Comme ça, normalement ça devrait être bon. Allez, allons-y. J'aurais bien aimé une Mercedes, mais il faudrait que je m'en contente. Bah, on pense qu'on s'en fout. Il me faut les clés. Il me faut les clés, il me faut les clés. Evil Room. Du coup, la Marianne Place. Ah, d'accord, ok. Donc là, normalement, ça a marché. Enfin, on va voir si le truc que j'ai mis en place, ça a marché ou pas. Ou alors, c'est parce que quelqu'un, vu que c'est quelqu'un qui m'a déjà follow et puis qui a refollow, peut-être que ça marche pas, j'en sais rien. Et là, je viens de follow. Ok. On va voir. Eh, mais ça bug chez vous. En fait, là, le. Voilà. Ah, bah oui, je me disais bien. Voilà, c'est bon. Ah, bordel de merde. C'est bon, c'est réglé, mon truc. Donc allons-y par là. Il ne m'écoute pas. Bon, il ne l'écoute pas, donc il n'est pas content, Gabriel Knight. Donc du coup, on va. Voilà, montrer ça ici. Vous êtes de la télé? J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Vous êtes américain? Exact. Et vous pensez avoir des informations sur cette mutilation en ville? J'ai bien des informations, oui madame. Je voulais en discuter avec le commissaire là-bas, mais il a l'air très occupé. J'ai donc pensé vous en parler. Nun gut. Was soll's? Très schön, Dieter. Wir befinden uns am Tatort des bis jetzt letzten bizarren Todesfalles, der durch die Killerwölfe herbeigeführt wurde. Bei mir befindet sich ein Amerikaner,
der offensichtlich wichtige Hinweise bezüglich dieses Mordfalles hat. Je crois que vous avez des informations au sujet des attaques de loups. Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Lebert, lui poser des questions. Et méga couche. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux alors que ceux des loups du zoo sont gris? Oui. Er fragt, wieso die Tierhaare am Tatort rötlich braun sind, wo doch die entlaufenden Zoowölfe offensichtlich grau waren. Et pourquoi les empreintes trouvées sur la place indiquent un animal plus gros que l'espèce du zoo Canis lupus lupus? Und er fragt, wieso die Pfotenabdrücke am Tatort viel größer sind als die der Zoowölfe. Où avez-vous eu ces informations, monsieur? Très bien. Vous avez mon attention. Mais qui êtes-vous? Je suis Gabriel Knight, le romancier américain. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. Très bien. Oui, je vous verrai au poste plus tard. Mais seulement si vous acceptez de filer d'ici et de ne plus parler à la presse. C'est compris. Il est pas content, hein. Ah. Là, ça marche. Qu'est-ce que c'est bien, toi? Putain, sérieux. Non, je vois pas. Je vois pas, bordel. Il y avait marqué qui était. C'est toi, hein, normalement, donc tout. Pourquoi il parle comme un gogo? Il a besoin de passer encore plus con qu'il n'allait déjà. C'est vrai, il, je sais pas pourquoi il parlait d'un coup. Une intonation de Sekpa. Oh, ah, c'est bon. Allons-y. Je suppose qu'il faut aller au poste de police. Je vais quand même pas trop regarder les Solus, hein. C'est vraiment si je suis bloqué, que j'avance pas, ouais, je le regarderai, mais sinon. Ah, ouais, c'est bon, alors ça a marché. D'accord, merci, Mouktouk. Alors, du coup, il faut. Voilà, on va reprendre le métro. Alors. Ah merde, ça clique, c'est pas. Ah si, c'est ça. De la PS2? Non mais. Mouktouk, quand même. Alors là, tu me fais honte. Hein. Pour toi, c'est ça, c'était l'intro de la PS2? Alors là. Oh, tu baisses dans mon estime quand même. Au moins, c'est bon, ça marche. Kommen Sie rein. C'est avec Commissaire Lebert. Attends, je te dirai après. C'est très gentil de me recevoir. Asseyez-vous, Monsieur Knight. Bon. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette enquête, hein? Oui. Comment dites-vous quiproquo en allemand? Y a pas de traduction. Ah. Merci beaucoup pour tout. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Vous voulez des informations et je veux des informations. C'est assez pratique comme ça. La police ne divulgue pas ces informations. Pourquoi? Je vous demande rien de confidentiel. Et je peux même pas lire les journaux dans votre pays. Du communiqué de presse, c'est tout ce que je veux. D'accord. Mais après, c'est votre tour. D'accord? On verra. D'accord. Oh, comme il est tellement fier de lui. Donc, j'ai fait ça avec le... C'est sur un site, je sais plus exactement le nom du site. Je te le redirai après sur Skype. Si j'y pense, ou sinon tu regardes sur Google, si je sais pas si tu peux le trouver comme ça, tu marques Twitch, notification, un truc dans le genre, et en fait c'est un site où tu peux, en fait, où tu, comment dire, tu fusionnes ton compte Twitch avec, en fait tu te connectes dessus avec ton compte Twitch,
Et tu peux modifier, donc enfin tu peux justement faire des alertes followers, abonnements, hosting, je sais plus quoi, enfin pour les dons, enfin plein de trucs comme ça. Et tu peux choisir donc la musique, le style de d'écriture, la fin la police, ce que tu veux faire écrire, l'image que tu veux, le son que tu veux. Donc enfin tu choisis tout ce que tu veux quoi. Donc je sais pas si tu tapes sur Google, Twitch alerte, ça peut être marché. Sinon, je te le dirai sur Skype. Alors lui-même. Depuis quand êtes-vous commissaire? 10 ans. Ah, ça doit être ça, ouais, Twitch Toutes alerte. ces années à Munich? Ouais. Et un criminal commissaire, c'est comme quoi? Un inspecteur de police en Amérique? Les Américains n'ont pas autant de grades, je crois. Un criminal commissaire allemand est, comme en Angleterre, un chief inspecteur. Ah, PD James. Quoi? Non, rien. Ils sont cons là d'un coup. Hein. Attends, parce qu'en fait, je suis en train de calculer. En fait, si je peux te le dire là tout de suite, le nom du site. Parce que mes favoris sont affichés là. C'est. Ouais, Twitch Alert, c'est ça. C'est Twitch Alert. C'est exactement ça. Parlez-moi des autres victimes. Que voulez-vous savoir? Combien y a-t-il eu de victimes? Où ont été tuées les autres victimes? Est-ce qu'il y a un point commun entre le lieu du crime? Voyons voir. Et en ce qui concerne l'emplacement des crimes, rien en commun? Vous pouvez voir vous-même si vous voulez. Il y a une carte là sur le mur. Jusqu'à cette nuit, le tueur frappait toujours à 30 ou 40 minutes hors de la ville. Le premier a été tué au nord de Munich, près d'Esching. Les deux jeunes ont été tués à Feldkirchen, à l'est. Tony Hubert a été tué dans la ferme familiale, à l'ouest de Loham. D'accord. Et sur PS4, non, ça marchera pas, parce que il te faut un. C'est un truc que j'ai, bah, que vous voyez pas, parce qu'il est tout en vert, mais c'est comme ceux qui font là les fonds en vert derrière eux pour pas qu'on voie, comme s'ils étaient intégrés dans le jeu. Ça c'est pareil, en fait, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre, et c'est ça qui fait faire les notifications. Donc faut ouvrir cette fenêtre-là pour pouvoir que ça marche, sinon ça marchera pas. Donc sur PS4, non, ça marchera pas, c'est sûr et certain. Donc ce sera que sur PC, ça, c'est sûr que ça marche. Combien y a-t-il eu de victimes? Combien de victimes y a-t-il eu? 5, en comptant celle du centre-ville. Pourrait-il y avoir des corps que vous n'avez pas retrouvés? Non. Les crimes ont été commis en pleine journée. Les lambeaux laissaient une trace de brockkramet. Miettes de pain. Jacques l'éventreur loup. Jack l'éventreur loup, c'était nul à chier. Quand ont été tuées les autres victimes? La première, il y a 32 jours. Oh. 2 jours après la fuite des loups du zoo. Et les autres? Les deux jeunes garçons sont morts il y a 20 jours. La fille Hubert, il y a 6 jours. Ils se rapprochent. Possible. Ah tiens, en fait, j'annonce mardi, ça va être un stream spécial. Car mardi, je vais avoir un grand personnage de jeu vidéo qui sera chez moi. Et donc du coup, mardi, il va y avoir une surprise. Je vous en dis pas plus. Ça va être drôle. Ça va être drôle, ça va être con, c'est tout. Ah, salut Nico Stige, comment va? The broadcaster identique quoi, intended for mature audience. Ben oui. C'était, ben ça je l'avais mis, c'était pour quand j'avais joué à GTA une fois avec mon pote et tout, mais il y avait tellement de gens qui étaient sur le stream, je sais plus, ils étaient au moins, on était au moins 24 sur le stream, mais il y avait v'là la bande de gamins quoi, donc du coup j'avais mis en mature le stream, c'est pour ça. Que disent les médecins légistes au sujet du tueur? Que disent les légistes au sujet du tueur? Mais tout à fait, Motoc. Cette information n'est pas pour la presse. Mais les morsures, la salive, vous avez vu les corps, pas moi.
Tout ce que je peux dire, c'est que... c'est un animal. Est-ce que je pourrais deviner? La petite musique. Vos gars du labo disent que les morsures sont canines et sont plus proches du loup que du chien. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent pas dire quoi. Rien de semblable dans les livres. Probablement une sorte d'hybride. Ouais. C'est ce que je pensais. Tu penses quoi? Eh oui, le chauve est pas content. Le petit-fils d'Hitler est vraiment pas content. Le tueur n'est pas un des loups du zoo, n'est-ce pas? Le tueur n'est pas un loup du zoo, non? Cette information n'est pas pour la presse, monsieur Knight, et j'espère que ça restera ainsi. Je comprends. Comme vous l'avez crié si fort sur les lieux du crime, les indices sur les loups du zoo ne correspondent pas avec ceux du tueur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il doit y avoir une erreur dans les dossiers du zoo. Je crois que le zoo serait s'il y avait un loup roux brun dans l'enclos des loups. Je n'ai pas dit que c'était possible. L'autre possibilité est bien sûr qu'un autre animal soit responsable. Sauvage? Possible. Domestique. Ça se peut. Domestique? C'est bizarre, attendez. Dans ce cas, vous n'avez sûrement pas pu traquer la bête. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce qu'elle rentre à la maison. C'est bien possible. Parce qu'en fait, j'avais pas l'air droit alors que je suis droit, hein. C'est juste la caméra qui était pas droite. Vous pensez qu'un seul animal est responsable? Vous dites toujours un animal. Vous avez trouvé des preuves d'un seul animal? Une seule morsure? Un type de salive? Oui. Mais deux loups se sont enfuis du zoo. Comme vous le dites, les loups du zoo ne correspondent pas à ça du tout. Oh, je ne dirais pas ça. Non, définitivement, je ne dirais pas ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais au lieu de vous regarder comme ça, dites quelque chose, là. Il était intrigué, lui. Est-ce que vous avez déjà pensé à la... possibilité d'un... Quoi? Un loup-garou? Il a fumé du crack. Non, rien. La deuxième fois, ils se sont cons quand même. Hein. Le meurtre en ville dans le loup noir. Avez-vous entendu de quelqu'un ou... Encore la police, c'est pas vrai? Voilà. Ça bug. Loup noir. Oh! Les échantillons de poils que nous avons sont tous roux bruns. Oui, je sais. Je me demandais juste si vous aviez jamais entendu parler d'un loup noir. Un instant. Oh là là, faut qu'il aille aux toilettes, c'est urgent. Vite, excusez-moi. Oh! Oh! Ah non, pas du tout. Merde, j'ai passé à la cinématique, j'ai cliqué sans faire exprès. Du coup, je sais pas trop quoi dire, bon. Vous constatez beaucoup de disparitions en Allemagne? Oh oui! Surtout des jeunes, des fugues. Ça empire tout le temps. La famille n'est plus ce qu'elle était, hein? Je suppose que non. Eh oui. C'est triste. Le meurtre en ville. Parlez-moi de la dernière victime. Vous avez une idée sur ce qui a poussé le tueur à frapper en ville cette fois? Vous avez une idée du motif pour frapper au centre-ville cette fois? Non. Et vous? J'ai lu quelque part que les loups sont des animaux propres.
Ils ne tuent pas près de leur tanière, sauf s'ils sont obligés. Quelle tanière? De quoi parlez-vous? Je ne suis pas sûr, au fait. Une idée comme ça. Oh, oh. Tu as un bâillement soudain. Parlez-moi de la dernière victime. Mal, 52 ans. Crossberg, c'est son nom. Il était fourreur. C'est ironique, hein? T'es fourreur? Un fourreur. Quelle fascinante coïncidence. Tu veux pas plutôt dire taxidermiste, non, plutôt? C'est tout ce que je voulais savoir. Ah, c'est tout, ça y est, c'est fini. Bon. Bon. Et maintenant, c'est à vous, oui? Oh, merde. Je pense. Vous allez me le dire ou dois-je le demander? Bah, comment on peut savoir? J'enquête sur le meurtre de Tony Hubert, pour ses parents. Pourquoi? Je suis détective, c'est mon boulot. Un détective? Un ricain? On peut dire ça. Et comment les Hubert vous ont-ils engagé? Par des amis. Je vois. Et cette preuve que vous avez? Une empreinte et une touffe de poil de la ferme Hubert. J'ai parlé à des gens du zoo aussi. Fureur. Très bien, monsieur Knight. Je ne sais pas putain. Comment vous faites avec la police en Amérique, mais dans ce pays, les civils se mêlent de leurs affaires. Je comprends. Si vous entendez quelque chose, vous me le dites. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Et en aucune circonstance, vous ne devez parler à la presse. Faites-le, et je prends votre passeport. Oui. Vous ne l'aimeriez pas, j'étais très mal coiffé. Je suis très sérieux. Je vous le jure, pas un mot. Très bien. Je ne peux pas vous empêcher d'enquêter. Mais restez hors de notre chemin. C'est compris. Sage comme une image. Promis. Ok. Est-ce qu'on peut lui montrer certaines choses? Lettre de grâce, on s'en fout. Christian Ritter. Christian Ritter, je me souviens plus qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh là. Je n'ai pas le temps de me plonger dans ces trucs historiques pour l'instant. Oui. Mais peut-être que lui, il aura le temps plus tard, peut-être. Voyons voir. Ah, non, oui. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui montrer ça. Non, bon, il s'en fout. Journal de Victor Ritter, Christian Ritter, Victor Ritter. Ça. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui montrer. Ah, parce que ça parle de loup-garou. Note de Gabriel, on s'en fout. Rapport d'analyse, peut-être. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui montrer. Mais putain, mais... Où est la logique? Le reçu de Klingman. Klingman? Qui c'était déjà Klingman? Air Doctor Klingman. Ah oui, c'était l'autre. Le mec du zoo. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui montrer ça. Oui, des bisous, Mouktouk. Bon appétit. Lettre d'Hubert Gros. Carte de visite Von Glover. Je ne vois pas pourquoi je devrais lui montrer. Oh, tu me casses les couilles. Manuscrit à peine entamé. Je ne vois pas pourquoi je devrais... Bon. Peut-être en descendant un peu... Allez! Ça, non. Maintenant. Non. Bon, bon. Bon. Au revoir. Je vais y aller. Ne cherchez pas les ennuis. Mais il va se calmer bien un peu. Bien sûr. C'est bien un policier, ça, hein. Les policiers s'énervent souvent pour un rien. On sait pas pourquoi. Tout ça parce que leur femme ne veut pas coucher avec eux, parce qu'ils sont trop ennuyants, les policiers, peut-être. Alors. Indice. Ding, 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 ding. Il faut aller à la Marianne Place et machin. Sauf que j'ai pas envie de me casser le cul. Donc, allons regarder... La solution. Essaie d'ouvrir. Ah non. Ouvrez la porte au fond et ses services de Xavier. La fiche de bureau, prendre les clés. Oh, pardon. Je suis désolé. Hein. Retournez dans le couloir, ça on l'a fait. Entrez dans la salle. Von Zell descend. Il est très mauvais poil. C'est bon, c'est fait.
Asseyez-vous à côté de lui, parlez-lui, n'utilisez la relique trophée du sous-sol qu'à la fin, sortez. Allez au poste de police, parlez à l'hébert. Observez la carte accrochée sur au mur et cliquez sur le rond rouge au milieu. Observez l'écriteau à droite de Rosberg et utilisez votre calepin dessus. Ensuite, parlez. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Putain, je ne vois plus le... Merci. Oui, rebonjour. Oui. Commissaire Libert. Assis. Assis. Schnell, assis. Il y a du monde qui passe en centre-ville ce soir, c'est fou. Alors, tellement discret. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit assis. Cette carte, elle marque l'emplacement de toutes les victimes, pas vrai? Ouais. Celui de cette nuit-là, juste au milieu, il est différent, non? Je ne vois pas. Il est pareil. Oui, c'est un cercle, enfin. Oh putain, j'ai passé comme un trou du cul. Faut que j'arrête de toucher la souris quand c'est une cinématique. Je sais pas pourquoi j'ai... En plus, j'ai un espèce de spasme, en fait. Mon doigt, il fait comme ça, fait tout seul. Je sais pas pourquoi. Donc, on m'a dit d'utiliser ça. C'est n'importe quoi, cette solution. Vivejeuxvideo.com. C'est des bêtises! Que c'est que ces sottises encore? Carnet de notes de Gabriel. C'est pas le journal de toute façon, c'est Victor et Christian Ritter. Problème de gorge. Je soutiens toujours que celui du centre est différent. Oui, mais en quoi il est différent, enfin, bon sang? Merde, bon, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je suis pas con quand même. Allez au poste de police, observez, accrochez au mur et cliquez sur le rond rouge au milieu. Observez l'écriteau à droite sur Grossberg. L'écriteau à droite sur Grossberg. Qu'est-ce que c'est? Ça là? Oh putain! Oh, il y a un numéro de téléphone. Comment il ziote, non mais il est cramé, c'est bon. Il se doute trop de quelque chose. Ah, tous les deux ils sont bien cons, hein. Ils peuvent bien se compléter en tout cas. Bon voilà, ça c'était fait. Allez, on se casse. Ah oui, assis-toi. Ah, je suis bien assis. Maintenant, je lève mon cul et je dégage. Je vais y aller. Voilà. Ne cherchez pas les ennuis. Oh, il va se calmer. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Le mec, on a rien à foutre de ce qu'on lui dit. Ouais, c'est bon, voilà. Allez chez les Uber. Écrivez une lettre... et écrivez une lettre à Grasse, puis le numéro de Grossberg sur le téléphone. Ah, puis utilisez le numéro de Grossberg sur le téléphone. Donnez-moi une place, allez chez Uber Gros, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Okay. Allez. Donc, alors, normalement c'est bon, hein, la police. Ouais, c'est bon, on a plus rien à y foutre. Donc, il faut aller là. On va aller écrire à Grasse. MVV. Il y a vraiment des gens qui galèrent, ils sont assis en plein milieu d'un banc, en train de mater les meufs qui passent. Les gens sont chiés, hein, chez moi, hein. Ils sont en chien. Allez, sorti. On va écrire à Grasse. Là. Je n'ai rien d'intéressant à écrire. Bien sûr que si, tu as quelque chose d'intéressant à écrire à Grasse. Peut-être qu'il faut déjà appeler.
On va appeler la vieille golf. Je sais pas si c'est une golf. Parce que moi j'ai un peu de mal à les con... Enfin si, le cul, j'arrive à savoir si c'est une golf ou une polo, mais l'avant j'ai un peu de mal. Bonjour, ici Gabriel Knight. Oh putain. Je suis l'associé américain de Herr Grossberg. Oui. J'appelle toutes les personnes dont Herr Grossberg avait l'adresse pour les prévenir. Vous savez que Herr Grossberg est... Oui, j'ai appris son décès. Oui, désolé. Vous pourriez me répéter votre nom pour que je vous raille de la liste? Knight. Keller, Hoffman, il n'y a pas votre nom. Vous pouvez regarder à Fon, c'est Fon Knight. Ah, so, ja, Fon, von Eigner, von Frank, von Stein, vous n'êtes pas à Fon non plus. Excusez-moi, vous avez dit Fon Eigner? Ja. Vous connaissez Fon Eigner? Je ne le connais pas, je connaissais très peu Grossberg et ses contacts. Mais Grossberg, lui, oui. Si c'est une histoire d'argent, vous n'avez pas de chance. Tous les comptes sont bloqués. Tant que quelqu'un ne reprend pas l'affaire. Et puis, ils sont complètement vides, vous savez. C'est vrai. Et vous pouvez me donner le solde d'un compte, je vous prie? Ah non. Les adresses, c'est tout ce que j'ai. La police a saisi les comptes de Herr Grossberg. Ah, bien. Merci. Au Wiederhören. Et qui est ce Grossberg? Et pourquoi en fait, il veut pas écrire la lettre à Grace? Peut-être en faisant ça. Pourquoi il veut pas écrire sa putain de lettre à Grace? Ah non, ça va m'énerver ça. Il faut que tu écrives une lettre. Démerde-toi et écris une lettre à Grace. Écris. Bon sang. Je n'ai rien d'intéressant à écrire pour le moment. Alors pourquoi que jeuxvideo.connard me dise ça? Utilisez le calepin dessus. Voilà. Allez chez les Uber, entrez, écrivez une lettre à Grace. Mais non, il ne le veut pas, tout simplement. Puis utilisez le numéro de Grossberg sur le téléphone, ça a été fait. Alors peut-être que j'ai oublié quelque chose, on va voir. Voilà, dans le corps de Gabriel Knight, machin. Lisez là sur le livre, sortez, allez chez le vendeur de coucou, ce qu'on a fait, prenez le coucou, on l'a fait, puis sortez dans la rue. Parler au commissaire, au journaliste, ça a été fait. Au club de chasse, parler à Xavier, aller dans le hall et entrer dans le couloir gauche, ouvrir une porte du fond. Essayer d'ouvrir celle de gauche mais elle est fermée. Prenez le coucou, ça c'est ce qu'on a fait. En fait un coup de coucou, machin, on parle et tout. Ouais, je sais pas ce qu'ils nous disent, hein, encore le jeuxvideo.com. Bon, on va retourner à la Marianne Place. On va aller chez Hubert Gros, parler lui des personnes disparues, puis ressortez, aller poster la lettre pour Grace, puis lisez la carte de visite de Von Glover. Votre inventaire, prenez le métro. Putain, c'est tellement de la merde leur solus à jeuxvideo.com, et ils s'expriment tellement mal. Oh, je vois plus le... Voilà. Pourquoi tu veux pas écrire? Non, bon, écoute. Il est casse-couille. Allez, prends ton blouson, casse-toi. J'aurais bien aimé une Mercedes, mais... Ta gueule! Tu diras que c'est une Mercedes, c'est pareil. De toute façon, tu prends plus le métro que la voiture. Alors... Non, ils me disent toujours d'aller chez Locam, mais putain, mais... Uber, Locam, mais ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi moi ça marche pas. Alors est-ce que c'est un bug? Je n'ai jamais aimé les solutions de jeuxvideo.com. En général je ne m'y retrouve jamais. Oui c'est vrai en plus hein. Parce que j'y suis allé plusieurs fois. C'était pourquoi Discworld et Gabriel Knight et un autre jeu aussi que j'avais fait juste avant. Donc je sais plus c'était quoi que j'ai fait avant. Je sais plus. Et ouais enfin bref j'ai trouvé que c'était vraiment de la merde hein. C'était mal expliqué. Bonjour, Hubert Gros. Gabriel, entrez. Harry. Parlons. Personne disparue.
Vous m'avez proposé d'utiliser votre secrétaire pour mes recherches. Oh, quand vous voudrez. Génial. Je n'osais pas, mais j'ai besoin de rechercher dans les journaux et mon allemand est nul. Pas de problème. Vous cherchez quoi exactement? Des personnes disparues. En fait, des cas de disparition qui ont lieu près des forêts ou dans les forêts voisines. Jusqu'à quand voulez-vous remonter? 10 ans. Ok, je pourrais le lui demander plus tard. Nous devrions avoir ce que vous cherchez pour demain. Génial. Merci. On va lui demander plus tard, quoi. Non, c'est tout de suite. Louis II. Parlons de Louis II. Savez quelque chose au sujet du roi Louis II? Naturellement. Vous avez dû tomber sur lui en visitant Munich. Lui tomber dessus? Il n'est pas mort. Si, si, depuis longtemps. Mais il est toujours présent, comme votre Marilyn Monroe ou Elvis. Bien c'est sûr. Une énigme bavaroise. Bien sûr, c'est vrai que Louis II a un tel charisme comme Elvis Presley. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important au sujet de ce Louis? Louis. On le surnomme le roi de légende. Il est très romantique et mystérieux, vous savez. Il a construit des châteaux qui sont une grosse attraction touristique. Des châteaux? Où sont-ils? Herren Chiemsee est à environ 3 heures au sud-est. Neuschwanstein est au sud-ouest, près de la frontière suisse, à environ 2 heures et demie. Je peux demander à ma secrétaire de vous faire un plan, si vous voulez. Mais ils sont sur presque toutes les cartes allemandes. Non, non, merci. Je ne pensais pas y aller moi-même. Mais il me semble que c'est une activité sans danger pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ce type est un roi qui est mort, c'est ça? Et ses châteaux sont dans la campagne, à des heures de Munich. Ah oui. Parfait. Je crois que Hubert Gros se fout un peu de la gueule de Gabriel Knight. Il se dit qu'il a une gueule de con. Avez-vous entendu parler de quelqu'un ou quelque chose qu'on surnomme le loup noir? Non, désolé. Ce n'est pas grave. Aucune importance. Oh, c'est fatigant de streamer. C'est tout? Non, mais il y a autre chose à pas dire. Il n'y a rien d'autre à lui dire pour l'instant. Comment ça? Attendez. Non, ça ne marche pas. Non, mais ça, il s'en fout peut-être, ça. Non. Il y avait la carte de visite de je ne sais qui. Ah voilà, Von Glover. Non, bah c'est peut-être pas ça. Alors peut-être si je fais ça. Baron Frédéric Von Glover. Il habite dans le quartier de Perlach. Ah, c'est le baron. Oui, c'est l'autre qui est très, même voire trop amical avec nous. On va aller bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir. Allez, salut. La prochaine, hein. Oui, oui, fais comme si que t'avais un appel, alors pas du tout. Ah non, il appelle quelqu'un. Il appelle la police, le salaud. Allez, cassons-nous. Voilà, c'est ça. Ici. Allons à Perlach. Perlache ou Perleuche, je sais pas comment on dit. Oh, ambiance sexe. Entschuldigung, Herr Baron. Herr Baron, attendez, on va essayer de voir un truc. Est-ce que je peux vous mettre en HQ? Lassen Sie ihn bitte rein. Ça change rien. Le jeu est de qualité comme ça. Hein. Gabriel, ah. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Oui. Bringen Sie bitte ein zweites Glas Wein. Tout à fait. J'espère que je n'abuse pas de votre charmante invitation. Mes invitations sont faites pour être tenues. Entrez. Réchauffez-vous. Qu'est-ce qu'il en robe de chambre? J'espère que vous aimez le vin. J'y ai succombé quand je vivais en France. C'est parfait, Baron. Appelez-moi Frédéric. Très bien. Bon. Oui. J'aime mes affaires en ordre. Ouais. Vous alliez me raconter comment vous aviez trouvé le club et vos parties de chasse en Amérique.
Oh, il y a sûrement des sujets plus intéressants. Sans doute. Vous êtes un homme qui ira loin, je présume. À mes moments perdus. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit plein de trésors à découvrir. Des pensées rares comme les oiseaux, découvertes et examinées, une par une. Ce n'est que quand les gens se connaissent qu'ils n'ont absolument plus rien à se dire. Que cela ne nous arrive jamais. Moi, je serais toi. Je serais toi, je courrais en très vite hein, pour me casser de là. Waouh. Alors. C'est un très beau masque. Je peux jeter un coup d'œil? Je vous en prie. Qu'y a-t-il, ce masque? Intéressant. C'est africain? Non. Indien? Je l'ai ramené du Brésil. Oh. Ah, cette vieille ligne de dialogue, on dirait qu'elles ont été rajoutées à l'arrache avant que le jeu y sorte. Écoutez bien. Von Glover dit qu'il est indien. Ah merde, on l'entend plus. Von Glover dit qu'il... Von Glover, il dit ce qu'il veut. Bon, ok, très bien. Ils ont tous les deux un regard très bizarre, très complice. Un peu inquiétant, tout ça. Oui, bon, ok. Bon, parlons à lui, alors. Ce screen. Et là, ça, on dirait trop qu'il a un cul à la place du menton, ou alors une paire de couilles, hein, comme vous voulez, mais ça me fait tellement rire, ça. Lui-même, le club. Si on parle de lui-même, j'ai peur qu'il croit des choses. Mais on va voir. D'où êtes-vous originaire? Parlez-moi de votre famille. Voilà, parlons de la famille, parce que quand même, c'est inquiétant, ça. On n'a vu personne d'autre que lui. Parlez-moi de votre famille. Les Van Glover? Nous ne sommes pas aussi anciens que la famille Ritter, j'en ai peur. Vous avez une femme, des enfants? Grand Dieu, non. Vous parlez comme quelqu'un que je connais. J'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes entre nous. Est-ce que vous avez des parents? Et comment se porte la généalogie des Ritter? Je suis le dernier. Moi aussi. Je crois que tous les arbres finissent par ne plus donner de fruits. C'est un peu une allusion au homosexuel quand même, ça. Franchement, il y a... Vous êtes de Munich à l'origine? Non. J'ai grandi à l'étranger. Mais voyez-vous, mes parents étaient de souche bavaroise. Vraiment? Dans quel pays? Oh, partout. C'est gay. France, Angleterre, Amérique du Sud, Amérique du Nord. J'adore voyager. Qu'est-ce qui vous a amené à Munich? Les hommes. Pourquoi êtes-vous ici? Les circonstances étaient probablement peu différentes des vôtres. Je voulais revenir à la terre de mes ancêtres. Et je l'ai fait. D'ailleurs, ça me rappelle, vous alliez me raconter comment la famille Ritter a fini en Amérique. Regarde mon grand-père. Il a quitté la famille pour la Nouvelle-Orléans. Putain, j'ai mal au cul, c'est un truc de ouf. Mais vous, vous avez choisi de revenir à la famille. Pourquoi? Si vous voulez absolument savoir, je n'avais vraiment pas le choix. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est très dur. Parlons du club, le loup noir, le sol du club, sous-sol du club. Ah, parlons-en. Il y a quelque chose au sujet du club que je ne comprends pas très bien. Oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas un club de chasse normal ou ordinaire. Non. Cette pièce au sous-sol, par exemple? Je vois que vous avez exploré. Tout à fait. La porte était ouverte. Ce n'est pas grave. Vous avez raison. Oui. La Königliche Bayerische Hoflagloge.
est plus qu'un simple club. Nous partageons une philosophie aussi entre nous. La philosophie de l'homosexualité. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie ? Je suis curieux au sujet de cette philosophie dont vous parlez. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Vous êtes vraiment intéressé ? Oui. Tant mieux. Je sais pas trop. Hein. Vous semblez être le genre d'homme qui apprécierait notre manière de penser. Les membres du club et moi, nous avons le désir de nous renouer avec notre véritable nature physique. Continuez. Prenez les choses ainsi. Qu'est-ce qui différencie l'homme des autres espèces sur cette planète ? La civilisation, bien sûr. Oh, ce n'est pas si mal, la société humaine. Mais elle finit par coûter très, très cher. Avec la civilisation, l'homme a perdu son physique, ses pouvoirs sensoriels, son instinct, si vous voulez. Il est devenu gras et paresseux. Une vieille lame rouillée. Et encore dans les bons jours. Imaginez une bête dans les bois. Elle est en alerte. Elle hume. Elle voit. Elle sent tout ce qui l'entoure. Elle sait bien où un animal est déjà passé quelques jours plus tôt. Où il se trouve maintenant. Elle sent le danger. Mettez un homme civilisé dans les bois. En comparaison, il sera sourd, muet et aveugle. Je comprends, mais... est-ce que ça n'a pas un rapport avec le physique, simplement ? Notre odorat et notre ouïe ne sont pas aussi développés que chez... un loup, par exemple. Exactement ! Pourtant, l'homme avait les mêmes facultés. Après des générations de citadins... qui n'utilisaient plus leur sens... la génétique a lentement tout atrophié, comme un membre qu'on ne ferait plus travailler. Je pense que nous pouvons stopper cette dégénérescence. Et pas seulement la stopper, mais retrouver ses sens perdus. C'est un concept intéressant. Vous avez une preuve que de tels pouvoirs sont récupérables ? Une preuve ? Je l'ai senti moi-même. Une meilleure oui. Un odorat plus vif. Mais un document ? Ça, c'est plus dur. Jusqu'à quel point pouvons-nous retrouver ces facultés primaires ? Et ce que certaines d'entre elles sont vraiment ? C'est ce que nous cherchons encore à savoir. Vous étiez très convaincant, Frédéric. Sans aucun doute, ce... potentiel est fascinant. Ouais. Comment faire pour retrouver le contact avec son propre côté physique ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la chasse ? Vous êtes malin. Ah, mais cela en fait partie. Petit malinois. Ouais. L'homme est ou était un prédateur. Oh. C'est pénible ça quand même, hein. Non mais non. Allez. Mais le PC. Malheureusement, il était beaucoup trop intelligent. Il savait bien trouver et capturer sa proie. La chasse nous aide à retrouver bien sûr notre âme de prédateur. Et vous ? Arrivez-vous à retrouver votre âme de prédateur ? Certains d'entre nous y arrivent beaucoup plus facilement que d'autres. Il est un peu confus, Gabriel. Hein. On le sent dans son regard, il est un peu perdu. Et est-ce que cette philosophie a affecté les membres du club ? Les membres du club sont tous d'excellents spécimens qui ont utilisé cette philosophie pour augmenter leur succès et leur puissance. Donc vos bois sont votre quartier général ? Votre proie est la compétition. Une partie de la technique peut être appliquée, oui. Quand ce sont les sens qui priment, on peut sentir toutes sortes de sensations,
qui se perdent normalement dans le vide. Simple hypothèse. Vous pensez qu'il serait possible de pousser cette philosophie trop loin? C'est drôle que vous y pensiez si vite. Cela ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. J'espère que non. Doux seigneur. Un peu emmerdant cette conversation là, il parle un peu trop de sa vision des choses, on a un peu rien à foutre. Le loup noir. Parlons de choses sérieuses. Avez-vous entendu parler du loup noir? Oh. Je suis désolé. C'est ok. Guter! Würden Sie das bitte reinigen? Vous m'avez à peine mouillé. Tout va bien? Oui. C'est une excuse pour enlever le pantalon, ça. On la connaît tous, hein, l'astuce. Hein. On renverse quelque chose sur le pantalon d'une dame ou la jupe et enlève-moi ça. Je suis si maladroit. Donc, Gunther, quelle était votre question? Gunther Schnell? Je vous ai demandé si vous connaissiez le loup noir. Bien sûr, c'est vrai. Il est tout sur Je pense que vous m'avez troublé. Ces crimes dans les journaux, ils m'ont vraiment perturbé. Des raisons particulières? Les gens qui se font massacrer, les enfants, et en plein jour. La nature peut sembler cruelle, mais elle est ordonnée. Elle ne gaspille pas, ne torture pas. Pas comme ça. Et avec le club qui suit nos actions. Notre philosophie ne supporte pas ce genre de choses. Je suis sûr que c'est vrai. Rachid Mustafa. Pardonnez-moi. C'est vrai. C'est juste. Je crains que nous ne soyons pas sous le meilleur jour dans ces circonstances. La promotion de la chasse quand ces atrocités s'étalent dans les journaux. Vous devez comprendre. La nature que je défends n'est pas meurtrière. Quand un animal a le besoin de tuer, il ne le fait seulement que pour survivre. Et il montre du respect. Il n'y a que l'homme qui est capable d'un tel massacre inutile. Je serais content que tout ça se termine. Je suis sûr que les autres pensent comme moi. Il est pas sûr, hein. En tout cas, j'ai remarqué quand même que la différence entre Air Baron et puis notre petit acteur de M6, il joue quand même beaucoup mieux lui, hein. Même s'il est un peu bizarre comme ça en photo, mais il est meilleur acteur. Parlez-moi donc des autres membres du club. Ah, mes rares élus. Vous verrez que ce sont des amis de valeur quand vous les connaîtrez. Est-ce qu'ils sont tous entrés dans le club grâce à vous? Pour la plupart. Mais de temps en temps, le destin m'en envoie aussi. Pourquoi faire un chin à ce moment-là? Mais arrêtez de vous reluquer comme ça, putain, merde, ça fait tellement gay. Parlez-moi du club. Je préférerais que vous fassiez votre propre opinion. Pour être franc avec vous, j'aurais besoin de nouvelles perspectives. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité à nous rejoindre. Il comprend à moitié. Quand il secoue la tête comme ça, Gabriel, ça veut dire qu'il comprend à moitié. Tous les membres du club viennent de riches familles allemandes, je parie. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Je crois fermement à l'autodétermination. Chaque membre du club doit être aussi personnellement accompli et doué. Vraiment? Absolument. Par exemple, Von Hagner possède une des plus grosses boucheries industrielles d'Allemagne et une brasserie de premier ordre. C'est vrai qu'il a hérité de ses affaires, mais il s'en est très très bien sorti.
Une boucherie. Hein. Et les autres? Price est reconnu comme un des avocats les plus célèbres d'Allemagne. Il semble plaisant de sa personne. Mais vous seriez surpris de voir comme il est vicieux au tribunal. Tant c'est un avocat, hein. Et Hanneman? Il est au gouvernement. Il a une très bonne position. Et c'est un candidat reconnu pour les hautes fonctions. Vraiment? Très haut? On a pu lire dans certains journaux qu'on le voit au sommet. Ce serait très pratique pour ses amis, non? De tels hommes sont un atout pour tous ceux qui les connaissent. Et le baron Von Zell? Von Zell et sa famille possèdent la majorité des actions de la plus ancienne banque de Munich. Et quelles sont ses réussites personnelles? Aucune. Gar était... est un jeune homme assez prometteur. Il était toujours le premier de sa classe. Le meilleur dans tout ce qu'il faisait. Je sens que vous parlez surtout au passé. Vous n'avez pas vu sous son meilleur jour. Il a récemment traversé une dure crise, j'en ai peur. Ok, la conversation est terminée. Est-ce qu'on peut lui parler de certaines choses? Je ne pense pas que le baron serait intéressé. Il ne sera pas intéressé d'être ça? Je ne pense pas que le baron sera... Je ne pense pas. Journal de Christian Ritter. Je ne pense pas que le baron... Ok. Non. 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 Reçu de Klingman. C'était quoi ça? J'en souviens pas à chaque fois. Die Königliche Bayerische Hofjagdloge. 54 Dienerstrasse. 54 Dienerstrasse. Moktouk. Mais c'est bizarre. J'ai un objet en plus qui a été rajouté ou quoi? Je vois pas trop ce que je peux faire. Depuis l'échange avec le gros, on a récupéré des infos qu'il avait écrit sur. Un numéro de téléphone qu'il avait écrit sur un plan là. Il était dans son bureau. On l'a récupéré, on a appelé. C'était très étrange ce qu'on nous a dit. C'était pas très important, mais c'était bizarre. Et là après, nous sommes donc allés voir notre avocat pour avoir un peu des informations, lui demander un peu d'aide. Et là, nous sommes toujours chez le baron Erwlogger là, enfin Von Glover voilà, Von Glover. On lui a posé plein de mal de questions sur lui-même, sur le club et puis sur les meurtres qu'il y a eu. Visiblement, il serait très impliqué là-dedans. Enfin, il a l'air. Hein. Donc voilà, on vient toujours terminer la conversation avec lui. Du coup, je cherche quelque chose à lui montrer qui pourrait l'intéresser, mais visiblement, il n'y a rien. Je ne pense pas que le baron s'en... Le baron s'en fout. Non. Bon, sortons, on va voir. Je suis désolé, mais je dois y aller. C'était un rare plaisir. Oui. J'étais un peu isolé moi-même par ici. C'était un rare plaisir, la vache. C'était une grosse alors, invitation. Alors je vous verrai, ce sera au club, n'est-ce pas? Oh bien. Et peut-être que vous viendrez boire un verre, ensuite? Ah, oui, effectivement. Nous aurons ainsi une chance de parler un peu plus des autres. J'aimerais bien. Merci. Effectivement, c'est bien une invitation à se faire écarter le fion. Essaye de lui montrer ta bitouine. Est-ce qu'on peut aller chez... Peut-être que là, on peut écrire à Grâce. Grâce.
Parce que je sais pas pourquoi jeuxvideo.com me dit qu'il faut écrire à grâce alors que je ne peux pas. Allez, sors de là-dedans. Et rentre là-dedans. Ah bah voilà! Putain, jeuxvideo.com quoi! Non mais. Faut que je m'arrange pour que Grace reste occupée. Regardez, je vous le mets. Mais autre part. Parce que là, on s'en fout ce qu'il fait. Hein. Là, je crois que vous le voyez là, attendez. Là, vous voyez. Il marque. Allez chez les Uber, écrivez une lettre à Grace, puis utilisez le numéro de Grossberg. Et après, ils ont marqué qu'il faut aller. Là. Allez poser la lettre de Grace, puis aller chez Von Glover. Alors que non, il faut aller chez Von Glover, puis avant écrire à Grace et après faire le truc. Bande de trous du cul! Ça m'étonne pas que vous êtes encore plus nuls qu'avant, les gars. Allez, s'en fout. On sait tous que jeuxvideo.com, c'est pas la joie et la bonne humeur. Allez, cassons-nous. On va venir à poster, donc, à la J'aurais bien aimé une Mercedes, mais... Oh, tu m'emmerdes! Il faut... Tais-toi avec ta Mercedes, j'en ai ras le cul. Je vais t'en acheter une. Une Majorette. Une Hot Wheels. Tu seras content. Allez! Zou! Zou! Indice. Ah bah voilà, c'est bon, on a plus besoin d'aller chez les locaux. Non, c'est bon. On va donc à la Marianne Place. On va aller poster la lettre, et je pense qu'après on doit aller au club, sûrement. Si j'ai pas regardé la suite de la Solus. Donc, allons-y, ça va être très long. En fait, quand tu as aimé la vidéo que je t'ai envoyée de Grace. Ah oui! Oui, oui, j'ai vu. Une petite cochonne hein, quand même, hein, Grace. Hein. Hallucinant ça. C'est vrai que ouais, j'ai regardé après sa discographie, je crois que j'étais tombé, j'ai tapé son nom du coup sur Google, et j'étais tombé sur une page Facebook, mais je crois pas que ce soit elle, ou alors elle a drôlement vieilli, c'est possible hein, remarquer que ce soit elle. Hein. Et ouais, c'est étonnant qu'elle ait fait des trucs de cochon comme ça là, puis en plus de corps elle est pas dégueulasse hein, pourtant je suis pas du tout japonaise ou quoi. Mais elle est vraiment pas laide, hein. On aimerait bien lui dire bonjour, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est par là, peut-être, je sais plus. Ah non, c'est pas ça, merde. Ça, c'est le club. Merde, c'est où la poste? C'était avant. Si ce n'est pas une Golf, c'est une Polo, alors. Bah, je sais pas, j'arrive pas à faire la différence, moi, de face des Golf et des Polos. Enfin, surtout les anciennes. Les récentes, encore, tu peux. Mais moi, j'ai du mal. Si je vois pas le cul de la voiture, j'ai du mal à voir. Voilà. Putain, j'ai des remontées, nom de Dieu. Je vais dégueuler. Et j'en ai marre de ces gens-là qui sont 15 000 à passer, là. Putain, c'est nom de Dieu, j'aurais dû fermer la fenêtre. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On est lancé. Hein. Allez, tout fier. Bon, ça c'est fait. Bon, voilà. Je me fais chier. Allez, allons-y. On va aller au club. Hein. J'ai l'impression d'avoir un truc au bout du nez. En fait, non. C'est un effet d'optique, je crois. Ah, Xavier, comment vas-tu? Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. Oui, bon, on s'en fout. Écoute, allez, casse-toi. Tu fais partie du club, hein, maintenant. Ah, voilà! Herr Knight. Yeah. Bonsoir. Ah oui, c'est lui qui était trop bizarre aussi. Bonsoir à vous, Herr Price. On l'a vu que une fois, lui. Là, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Il est très bizarre. Vous êtes un peu mouillé. J'ai rendu visite à une amie près d'ici. Et j'ai pris une douche avant que les autres n'arrivent. Oui, bien sûr. Ouais. J'étais un peu... aromatique. Aromatique. Très bien. Ils ont tous des regards dans ce film, dans ce jeu. C'est assez... assez flippant quand même. Ah. C'est une petite invitation. Bonne idée. C'est bonne idée de quoi? Ça va finir en partout cette histoire. C'est vrai, hein, on dirait vraiment le scénario d'un film de cul de temps en temps. Enfin, les dialogues.
On dirait plus des dialogues de films de cul. Et une mise en scène un peu de films de cul aussi. Bon, en fait, il y avait un peu de... qui est un peu tiré des films de cul. Mais en fait, pas du tout. Hein. Elle est juste la bonne taille pour que le grand méchant loup arrive par là. Sauf s'il est déjà à l'intérieur, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle Elle du est juste piège. La bonne taille pour que le Mais grand... Mais qu'est-ce que tu me dis? Des animaux morts. Il faut aimer ça. En même temps, t'es dans un club de chasse, mon gars, tu croyais quoi? Et moi qui croyais que les Allemands ne buvaient que de la bière. Et moi qui croyais que les Je crois que je ne... Ok, faut lui parler directement à lui pour qu'il s'installe sur le fauteuil, ce qui est très logique. Hein. T'as Price? Il est absent. Ah non, il attendait. Putain, mais arrête de regarder comme ça, nom de Dieu. Oui. Ah. Oui. Il est pas rassuré. Il se chie dessus, Gabriel Knight. Il fait putain, j'en ai marre avec l'autre baron aussi qui est pareil, qui veut me pécho les fesses. Et lui qui veut me pécho la zibounette. Bon, parlons un peu de lui-même. On va lui montrer un peu de sympathie. Allez. Von Glover m'a dit que vous étiez avocat. Oui. Et heureusement pour moi, j'ai maintenant assez d'argent pour ne prendre que les cas qui m'intéressent. J'apprécie mieux mon temps libre. Ah, peut-être, on sait pas. Et que faites-vous de votre temps libre? Je m'amuse. Oula. Amuse-toi comme tu veux, mais sans moi. Hein. C'est peut-être une question idiote, mais quel genre d'amusement est-ce que vous préférez? Vous aimez les femmes, Herr Knight? Oh. Ça y est, la question. Je suis connu pour ça. Ah. Je les adore. Vous pouvez appeler ça une obsession. La proie, la danse, l'appât, l'hameçon. Et que faites-vous quand vous les avez dragués? Il est con, quoi. Enfin, zizi pampan, quoi. Vous savez, vous aimez vous aussi ces plaisirs. N'est-ce pas? Je sais pas vous ce que Vous aurais-je mal jugé? Il est puceau. Il sait pas ce que c'est. Vous ne faites que sentir l'odeur du passé, Price. Il est un peu confus, hein, quand même, hein. Bah, à mon avis, il doit pas aimer que les femmes, lui doit aimer aussi les hommes, hein, il doit être bi. Bon, alors le club. Que pensez-vous de la philosophie du club? Bonne, n'est-ce pas? Vraiment? Nous sommes des animaux. Pourquoi nier? Donc vous ne pensez pas supprimer quelque chose? Pourquoi vouloir supprimer mes besoins? Si votre corps veut quelque chose, ce doit être naturel. Mais si vous ressentez un besoin naturel de... trancher la gorge de quelqu'un? Fort heureusement, mon instinct aime les plaisirs tout aussi gluants, mais beaucoup moins mortels. Et pour ceux dont les instincts sont fatals, ne doivent-ils pas les supprimer? Je pense que la nature s'occupe de ces choses quand elles arrivent, Herr Knight. Oh, ça a bugué. Le PC! Allô? Le PC! Et comment fait-elle exactement? Dans la nature, quand un membre d'une société n'est pas conforme, il est pourchassé et exécuté. Fin de l'instinct mutant. Et de sa lignée génétique. Très bien. Je sens le cramer là. Attendez. Ah non, mais en fait... Tout va bien, c'est vrai. J'ai oublié que c'est le kebab qui a juste en dessous de chez moi qui fait chier. C'est bien habité dans le centre-ville. On a tout le temps les odeurs de bouffe. Les membres du club. Et les autres membres du club? Oh, ils sont très bien. Ne vous inquiétez pas pour Wenzel. Il est exécrable avec tout le monde en ce moment. Problème sexuel? Je ne sais pas quel est son problème. Oh, il a toujours été un type très arrogant, compétitif à la chasse, ambitieux, comme tout le monde. Il était assez décent à une époque. En fait, c'était le favori de Von Glover. Et c'était un ami très utile. Mais les choses changent. Ok, les membres du club. Et les autres membres du club? Comme qui?
Enman, par exemple. On m'a dit qu'il était bien placé pour obtenir un poste très haut dans le gouvernement. Enman, c'est un ivrogne. Ses jours de gloire politique sont bien finis. Mes amis du tribunal m'ont dit qu'il avait été inscrit sur la liste des retraites anticipées. Un politicien de moins à supporter, hein? Wenzel. Parlons de Wenzel. Quand Wenzel a commencé à changer? Oh, il est de pire en pire depuis longtemps. Je me souviens d'une partie de chasse il y a environ un an. C'est la dernière fois que nous étions tous ensemble et que nous nous sommes amusés. Il a commencé à être plus difficile après ça. Il y a un an. On dirait que vous vous êtes mis Wenzel à dos vous-même. Il y a une raison particulière? Écoutez, c'est une chose quand il nous insulte. Mais quand il insulte le baron, Je les ai entendus se disputer une fois. Von Glauer a dit à Wenzel qu'il avait agi stupidement pour je ne sais plus quoi. Wenzel était furieux. Qu'a-t-il dit? Il a dit au baron qu'il était faible. Salopard. Quelle insulte! Je ne sais pas pourquoi le baron ne lui a rien dit. C'est vrai, j'aurais fait quelque chose à ce moment-là, mais... c'était privé comme conversation. C'était quand? Je ne sais pas. Il y a 5 ou 6 semaines. Pourquoi Wenzel est-il un ami utile? Il est banquier. Vous voulez dire qu'il vous a prêté de l'argent? Il est toujours prêt à rendre service à ses bons amis. Pourquoi quelqu'un ici aurait-il besoin d'argent? Je croyais que vous étiez tous des modèles de réussite. Oui, mais heureusement, j'ai moins profité de l'hospitalité de Wenzel que certains autres. Ok, le loup noir maintenant. Est-ce que vous avez entendu parler du loup noir? Oui. Ouais. Vraiment, où ça? Oh, je ne sais pas. Ce nom me dit quelque chose. Vous me le direz si ça vous revient. Bien sûr. Ah, les renforts sont arrivés. Ah. Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre à sonder, Ernight. Ah! Une sonde dans le cul. Mes braves et jeunes amis, bonne santé à vous deux. Où est la bière? Ah! Oh, guten Abend, mes amis. Bonsoir. Les mecs sont pressés de venir pour Kiara. Hein. Tous au bar, ouais! Une bière. Il n'y a que deux shops. Ils sont au moins 5 ou 6, il n'y a que deux shops hein, dans le bar. Nabend. Nabend. Ah. Baron Wenzel, wie geht es Ihnen? Monsieur Connard. Alors, mes enfants, comment allez-vous ce soir? Good, Baron. Gabriel, je suis heureux de vous voir. J'ai besoin de parler au baron. Passez une bonne soirée, Herr Knight. Merci. Vous aussi. Voilà. Baron, pourrais-je vous parler une minute? Qu'y a-t-il, Price? Je ne sais pas quoi faire, mais il faut quand même une solution. Oui, sûrement. Ah, c'est là, ça je m'en souviens de ça, ce qu'il faut faire ici. Alors par contre, comment le faire? En fait, il faut aller par là. Enfin, si je me souviens bien, c'est ça. Ja, ich bin der Ansicht, wir müssen da unbedingt was unternehmen. Oui, Herr Knight. Normalement, il faut juste prendre. Hey, comment ça va? De quoi parlez-vous tous les deux? Je veux jouer. Non, pardon. Je me calme. Je voulais juste un magazine, voilà. On va dire ça. Je voulais juste prendre un magazine. Alors prenez-le.
Putain, mais sérieux, il mérite une patate, lui, là. Merci. Il m'énerve sérieusement. Et qu'est-ce que tu as, enfoiré d'allemand ? Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut donc... Oh là là, ça a changé de couleur. Donc, le magazine de cul... Qu'est-ce que c'est que cette tête ? Je n'y comprends rien, c'est en allemand. Oui, bah moi aussi, j'y comprends rien. Du coup, il faut faire... Comment on fait par contre ? Il faut faire genre ça avec le walkie-talkie, comme il dirait. C'est ça. C'est une idée. Et alors, pourquoi tu le pas ? Il l'a fait ou pas ? Ils ont tous des gueules de cons dans ce jeu. Je dirais surtout... Ah ça y est, c'est bon, c'était fait. Ah oui, magazine cachant le magnétophone, c'est bon. Allez. Zou. Je voulais juste reposer ce magazine. Celui qui a vraiment une gueule de con, ouais, c'est vraiment celui-là. Pas très bon. Je ne vous le conseille pas. En fait, je sais pas, ouais, ils ont des airs. Ils ont des airs de très, très bizarres, très... Dumme und dumme. D'accord. Ils ont des airs qui veulent tout dire et en même temps rien dire. C'est très bizarre. Oui, j'ai annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi. Oh, notre meeting est à 4 heures. Oh, je crois bien. Ah, bonsoir, Air Knight. Henneman. Une bière, s'il vous plaît. Von Agner. Vous voulez vous joindre à nous ? Oui. Bien sûr. Merci. Ils me donnent soif, ces enfoirés, putain. Oh, j'aimerais tellement d'une bonne bière, là. Je n'ai pas assez eu la chance de discuter avec vous, Herr von Agner. Ou alors, Herr Heinemann. J'ai entendu parler du meurtre de cette nuit. De quoi parliez-vous il y a quelques instants Ouais, j'en sais rien. Alors de quoi parliez-vous quand je suis arrivé? De notre grande excursion. Vous venez avec nous Pour notre chasse mensuelle. Une chasse? Vraiment où? Notre relais est à Eppenburg. C'est dans la forêt nationale bavaroise. Nous partons demain après-midi. Bon, vous savez, ça a l'air génial, mais... Je dois faire nettoyer mon arme et... Oh, il y en a quelques-unes au relais. Von Agner, peut-être que le baron ne voulait pas que Herr Knight nous rejoigne aussi vite. Oh, mais pourquoi pas? Baron? Baron? Von Agner? Pour notre chasse demain, notre ami américain pourrait-il nous accompagner? Herr Knight? Mais je ne vois pas de problème. Bien sûr que non. Oh. Il n'est pas membre du club. Il va se calmer, lui. Il n'est sûrement pas enregistré au bureau des permis. C'est stupide, gars. Plus tôt nous verrons sa technique, mieux ce sera. Il viendra avec nous et il pourra mettre ses papiers en ordre quand nous rentrerons. Mais c'est illégal. Et depuis quand la loi vous fait-elle peur? Ce n'est qu'un permis de chasse. C'est vrai. J'aimerais beaucoup que Gabriel se joigne à nous. Bon. Ça suffit. Le baron doit toujours obtenir ce qu'il veut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Les immigrés. Peut-être qu'ils auront quelques bonnes surprises après tout. C'est le fils de Le Pen, le fils caché de Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Et oui, on le sait tous, hein, Jean-Marie Le Pen était un ancien nazi, et voilà son fils. N'est-ce pas? Bon, est-ce qu'on peut reprendre la conversation? T'as vu, il a pas fait beau. T'as vu, il a pas fait beau. Vous avez entendu parler du crime de la nuit dernière? Il a lieu tout près d'ici. Horrible, vraiment horrible. Ah, je voulais prendre le journal, mais je n'ai pas eu le temps. Vous avez des détails? Un peu. La victime était un homme, Grossberg. Il avait une affaire de fourreur, en ville. Oh, c'est horrible. Vous savez, cette histoire des loups du zoo est inexcusable. Le maire a été contacté, c'est très sérieux. Même le Premier ministre est concerné. Vous connaissez Grossberg, Herr von Agner? Moi? Grossberg? Mais non, non! Pourquoi cette question? Je pensais juste. Quand vous êtes tous les deux dans les animaux. Munich est une grande ville, Herr Knight. Ah oui. Tant pis. Simple curiosité. Tout à fait. Bon, on s'en fout parce que savoir. La vie de l'un et de l'autre, on s'en fout un peu, je pense. Bon, je vais faire un petit tour. Bonne idée. Oui, c'est ça, une bonne idée de faire un petit tour. Donc, comme je vous disais... Oui, vous avez...
Guten Abend, sir. Zwei Bier. Zwei Bier. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser, merci. Ah bah ça y est, il y a sorti deux shops. Ich sage Ihnen, ich kann mir den ganzen Vorfall nicht erklären. Warten wir uns, haben Sie einen Moment Zeit. Ah, ça discute, hein. Et nous on enregistre pendant ce temps-là, ils le savent même pas. On les baise. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Oh, c'est pas grave, chérie. Vous passez un bon moment ? Oh, je m'amuse comme un fou. Bon. Je suis ravi que vous veniez avec nous demain. Nous ne démarrons que dans l'après-midi. Je peux donc me coucher tard ce soir sans m'inquiéter. Je dois vous prévenir, je suis un petit peu rouillé. Je suis sûr que tout ira bien. Vasse ! Mais... Tout ira bien, enfin. Je demande à savoir ce que vous faites dans ce club. Mais putain, mais ta moi, gueule, toi. Vraiment. Savez-vous que votre invité nous pose plein de questions très privées. Qu'il fouine dans nos affaires personnelles. Il doit être journaliste. Ou de la police. Qu'avons-nous à craindre d'un reporter ou d'un policier? Croyez-moi, Herr Knight n'est ni l'un ni l'autre. Vous vous moquez de le voir fourrer son nez dans nos affaires privées? Quel motif pourrait-il avoir pour poser toute... C'est mon invité. Vous avez tort de transformer cela en inquisition. Alors c'est sur votre tête. Eh hey, mais lui, sérieux, il a un verre solitaire dans le cul ou quoi, pour être comme ça? Je suis vraiment navré. Vous me défendez toujours. En tout cas, ils sont stylés, leur chope de bière. Je ne contribue pas beaucoup à l'harmonie par ici. Croyez-moi, l'harmonie s'est brisée bien avant votre arrivée. Monzel est... territorial. J'en ai assez, vraiment. Bien, je crois que je vais m'en aller. Je voulais me nettoyer avant ce soir. Ah, oui. Très bien. Bonne nuit tout le monde. Faut se purger, bonsoir, hein. Quand on est le soumis, faut se purger, bientôt. Malheureusement. À tout à l'heure. Oh. Oh, il en peut plus, le baron, là. Il peut plus attendre, hein. Vivement ce soir. Faut qu'il aille chier un coup. Oui. On aura bien. Je sais pas ce qu'il a, il est vraiment vénère, quoi, le gars. Et tout seul, quoi. On le fait pas chier. J'ai oublié mon lithophone, hein, en fait, hein. Je tiens à le préciser. Oula. La vision thermique. Qu'est-ce que c'est ? Une espèce d'écureuil mort ou un blaireau ? On sait pas, peut-être qu'ils ont fait comme dans Hannibal Holocaust, ou Cannibal Holocaust, je sais plus, où ils tuaient vraiment des vrais animaux, hein. À l'époque. On remarque là c'était en 95, donc non, je pense pas. C'était plus dans les années 80, ça. Chapitre 4, et ça va être la fin du stream alors, parfait. Parfait, parce que là je pense qu'on va redevenir avec l'autre hystérique aussi de... La petite cochonne de grâce. Continuons. Oh. On sait ce qui se cache en dessous, vous le savez tous.
C'est bon, on a vu 4 fois le même plan là-haut. C'est ce mec-là. Ben oui, c'était Grace qui courait comme ça. Le petit piano. Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Parfait, 1h38 de live, ça me convient. Ça me convient. Donc nous sommes au chapitre 4. Il nous en reste 2 à faire. Après celui-là, il nous en reste 2 à faire, donc intéressant. Qu'est-ce que c'est? Note. Non, c'est ça. Je veux sauvegarder, ah oui, c'est là. Sauver. On va marquer. Grâce au film 3615. Merde. 3615 Ula. Bon, on peut pas écrire Ula, bon, c'est pas grave. Grâce au film 3615, vous avez compris ce que je voulais dire, voilà. Sauvegarder. Voilà, ça a été sauvegardé. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin du stream. Merci d'avoir regardé, hein, des bisous d'avoir été là en direct, et ceux sur YouTube aussi. Ouais, bah il est vraiment temps que j'arrête. Hein. On reprendra, je ne sais pas quand je serai motivé de streamer, parce qu'en ce moment je suis pas trop motivé à streamer, j'ai un peu la flemme de streamer. Mais il faut que je stream un peu, parce que faut bien au moins que je finisse déjà ça. Encore la police, mais cassez-vous de là. Ils sont pénibles, c'est un truc de fou chez moi. Hein. En ce moment, ils tournent à mort. Hein. Faut que je quand même que je stream pour pouvoir terminer ce jeu. Et au pire des cas, on se retrouve dimanche. Mardi soir sûrement, ou peut-être mardi fin d'après-midi, j'en sais pas, on verra. Enfin mardi pour un stream spécial que j'ai annoncé, donc des bisous, merci d'avoir regardé, je vais peut-être me mater un petit film de grâce. J'avoue, c'est bon, malheureusement, c'est un peu mal vieilli, hein, quand même. Donc des bisous, merci à vous, et je vous dis à la prochaine, hein. Et puis voilà quoi, allez, des hiboux sur le bout.